parole@palais.com. Nous disons tout le monde bonsoir, puis information nous allons pour nous développer pour après-midi dans le journal ça. Sénateur Jean-Charles Moïse, qui était candidat pour poste président leader et Petite Dessalines, et voyait jeter toute l'idée dialogue avec Jovenel Moïse comme président. Leader plateforme Petite Dessalines, non, interview par Radio Kiskeya. Il dit, genre de dialogue, c'est le consacre derrière, c'est gâteau qui a séparé. Dans l'interview, ça, je ne jeudi, sénateur Jean-Charles Moïse continue à exiger démission, Jovenel Moïse sous pouvoir, ensemble avec premier ministre Jean-Henri Séan, à tout parlement, pour toute force nation mobilisée pour relancer le pays, d'après ça, le déclaré. Faut que nous disions, question carnaval qui pape fait officiellement, plusieurs groupes pas digérés, c'est qu'à Bookman Experience, Rêve, Mas Compas, Diakout, Campèche, Kinparsi, Rock Fam, et Zikos, yo tout avec bon à pied yo, avec divers autres acteurs qui concernaient dans l'industrie musique haïtienne, t'es convoqué la presse journée jeudi, et pour faire connaître 48 heures de temps avant festivité carnaval yo t'a supposé et commencé, et pour dire, et pour raison économique, mais pour raison croyance tout, il y a un paquet de monde qui attend le carnaval là doit être fait. D'après ça, il a déclaré, c'est hier, ministre culturant, il fait qu'on est, il n'est pas possible pour faire carnaval là, mais qui sait faire comme carnaval là, et il parlait de 50 millions que tu prévois pour Gonaïve là, il est prêt pour séparer by 50 mairies. Nous, André Lafontaine-Joseph, se dénoncé méthode ça, et qui allait dans le sens gargote, d'après ça, il dit. Mais tout, est-ce que pas gagne l'autre gros palto, gros chabrak, qui capable de passer pas derrière pour prendre tout l'argent carnaval là, les que bride sous coup, nous avons gagné une ville qui annonçait qu'ils ont invité spécial pour la faire carnaval pendant 3 jours qui y a venu là. Et puis, la police était dans le parlement, la police Simo particulièrement, ça a attiré attention journaliste, d'après information jointe, c'est un président Sénat Calmio Cantave qui t'a demandé la police intervenir et pour y te mettre dehors un gros employé madame Casséus et que Kester te voulait réintégrer dans poste d'après sa reporter dans sous place apprendre. L'autre point dans actualité à syndicat personnel au Fatma en tête collée à brigade syndicale anticorruption BESAC qui dénonçait mauvaise gestion directeur et au Fatma non conférence pour la presse, yo vinné avec un pile détail conflit intérêt côté accusé directeur au Fatma tout docteur Agabus Joseph d'après avoir fait des transferts abusifs concernant membres syndicat au Fatma. Et puis concernant dossier mercenaire, directeur exécutif réseau national qui a défendu dans droit monde monsieur Pierre Espérance, l'interview par Radio Kiskeya journée jeudi a dénoncer le fait que juge petit papa libéré Estera Michael après une seule audition. Selon lui-même, Michael Estera te fait partie de groupe ça, la police t'est arrêté et là te découvri équipe monsieur Blansayo qui te gagne gros enfant de fois dans mais dans machine sans plaque. Il fait connaître monsieur pas un monde comme ça parce que à partir de lui-même et la justice haïtienne te ka remonté toute information yo concernant qui est-ce qui te bail groupe monsieur sa yo comme chauffeur dans ça te ka tombé sous gros autobré d'après sa directeur exécutif NDDH nan dénoncé. Nous l'autre pas à la tête NDDH ta monsieur Espérance critiquer tout séance commission justice sécurité ak défense nationale là te faire semaine ça avec CSPN nan. Côté en réalité, pas gen rien qui sorti dans dossier mercenaire yo. Monsieur Espérance dit son simulacre parlementaire t'a fait parce que d'après ça il dit, il y a quelques parmi yo qui t'a impliqué dans dossier mercenaire. Et puis l'autre point dans actualité a n'a gagné tout pour nous parler de un nouveau produit Natcom annoncé l'a mettre sur marché a, il lancé jeudi le Top Up online, il y a gagné pour porter plus de précision avec détail et sous lit. Dans l'actualité internationale, la, gros ventilapli dans ce qui concerne deuxième rencontre. Et président américain Donald Trump saute faire à Kim Jong-un dans le pays Vietnam. Divers spécialistes tombent d'accord pour dire qu'il n'y a rien sérieux
qui sorti dans rencontre ça. Et n'a gagné tout pour nous retourner sous dossier pays Venezuela qui a dominé actualité dans région noire et sous plan international alors que chouchou communauté internationale là et qui c'est leader opposition trouvé dans pays Brésil. Jodi a côté d'aller rencontrer avec président pays ça alors que tu gagné une décision qui te prend qui te interdit quitter pays Venezuela. Et puis dossier élection en Afrique, nous pour aller ouais qui s'est passé jodi a dans pays Sénégal. Invité journal 4h après-midi, c'est coordonnateur rassemblement pour avancement coopérative et production et pour la vie meilleure et production alternative Rakpaba et Dieu l'a bien aimé qui pourrait parler nous et sous situation planteur yo qui j'ai accueilli décision gouvernement prend pour baisser prix du riz à partir de récolte des importateur yo sans pas prendre en considération producteur du riz dans vallée la Tibonite là la pour répondre question Beethoven François fils ces informations ça en pilote nous va gagner pour développer pour vous après-midi dans journal ça olapale.com n'a pas commencé journal là avec une interview dirigeant plateforme petite de Sardine ancien sénateur qui était candidat pour place président dans dernière élection présidentielle Lyon Jean-Charles Moïse by Radio Kiskeya journée jeudi à côté de vous et j'étais tout à fait dialogue Jovenel Moïse a parlé leader plateforme petite de Sardine qui fait partie de une dirigeant qui s'est opposant farouche par rapport à président Ted Kalea dit de pour tendre il y a pas la fait de dialogue mettre connaît et couteau déjà paré pour couper gâteau pour séparer dans interview par Radio Kiskeya journée jeudi sénateur Moïse continue exiger démission Jovenel Moïse dans Ted Kalea ensemble avec premier ministre ni Jean-Henri Seyan et puis avec tout parlement et puis il dit c'est toute force dans nation qui doit ramasser pays pour capable relancer parce que pays à terre. N'attendez sénateur Jean-Charles Moïse dirigeant plateforme petite des Salines dans micro Ketia Jean-Pierre Tello. L'entendez pouvoir blanc des politiques à parler de dialogue. Je m'avise de l'autre bagaille non. C'est partage gâteau. Partage ministère, partage direction générale. Et ne pas quoi nous-mêmes. L'ensemble de monde qui mourit dans tout quartier populaire sur la saline, monde sniper tiré, des gars qui fait dans la Tibonite, dans le département de Père, tout le pays en a trop caille. Je ne sais pas quand même nous avons des décisions pour nous dire pour nous dialoguer avec Mounzaïo. Mounzaïo, c'est pour nous connaître, je vois une vision pour Haïti. Dans les limites, nous là, il est vraiment trop tard pour nous parler avec non seulement un pouvoir placement, y compris. Moun ka pale sou base, nou pale ese yi venon fè dialogue, pou nan sèche mou sou pen. Nou mèm nan zi, nan pwepe de la kore va yi chen. Nou mande depa Jounan Moïse sa kondisyon, nou mande depa se a sa kondisyon, palman ale, pou fè chwa un prezident nan kou kassasyon, pou dotel de yon konsey d'Etat, 10 moun, yon moun sou zi sa debatman pi sou moun sou zi nan 11e nan fè 11 moun, ankor, nou pale mette en place tout structure pour faire jugement monde qui voulait l'argent champion de Caraïbes yo nous parle tout mettre en place en relais état général ou bien mettre n'importe non c'est là ça nous parle mettre ces des thématiques trois problèmes constitution problème l'armée problème conseil électoral problème éducation problème santé problème production nationale problème classe moyenne problème diaspora et qui font des groupes à pour Haïti pourquoi c'est là nous voulons aller pays là nous pas quoi nous cas poser. On a le chita dans la négociation, on a le fait partage gâteau, nous pas la peur. Et si de ça, on a continué à gommer, nous dit payant, nous comprenons, nous chita la gagne, non, dans plusieurs jours. Ça veut dire que ça, nous portons solidarité, par nous-mêmes qui apprenons la bataille là. Je dis, on n'a pas de justice, non. Et me dit payant, même si nous voyons en pile fois au campé, ça va dire que ces batailles là, nous perdons au contraire. Ou est-ce que tu as la capelle, elle répond, il y a avec plus de force. Et ça, fait gagner des comptes. Si quand tu as pensé les sept masques qui viennent là, tu vas lever capelle. Même quoi, l'important, pour continuer la mobilisation de tout pays, je vais même lier avec tout le monde dans le monde politique. Non, une coup de tabou là, tout joue coquin, tout joue mettre dame. Je ne vais pas jamais là-dedans. Parce que
besoin de pas Jovenel Moïse, de passer, on a besoin de pas Parlement, pour nous repasser le pays à zéro. Voilà, c'est sénateur Jean-Charles Moïse, leader plateforme Petite Dessaline, sous conjoncture politique. Là, tu as répondu à une question, Kétia Jean-Pierre Taylor, sous question dialogue. On a rappelé, c'est lundi, et président Jovenel Moïse, qui te prend un arrêté personnel, les mêmes seuls te signés, sans conseil des ministres, sans premier ministre, il te nommé sept mounes. Là-dedans, il y a deux qui partent précisément, il y a une qui démissionnait depuis à la papote. Et pour yo al faire salir les dialogues à tout le monde qui doit déboucher sous mettre campé un gouvernement. D'après ça, et yon communiqué que t'es sorti dans le palais national, toujours que t'es venu corée et arrêter ça. Et diverses voix qui levaient déjà, ouais, comité ça, l'a gagné même sort à toute l'autre initiative. Président prend déjà, qui donc li fait tout mourir, parce que yo estime président pas comprendre du tout, et là vraiment le pas comprendre rien du tout, dans ça qui concernait situation pays, politique sociale, ak revendication peuple, qui a demandé à la fois justice contre impunité, mais justice sociale. Yo quoi que le pas comprendre, et c'est ça fait quoi l'a échoué, et dans toute démarche sa yo alizen, l'a fait par rapport à problème compliqué ça Haïti a vivre. On était toujours dans dossier compliqué puisque jusqu'à présent nous capable dire citoyen et ce citoyen haïtien c'est sans respect gouvernement l'état a traité yo pas même jugé bon pour t'apparaître ou communiquer pour t'faire éclaircissement concernant dossier mercenaire ça yo que autorité l'état puisque c'est ministre justice là qui autorisé yo retourner dans pays yo et puis yo te fait circuler faux nouvelle fake news pour te laisser comprendre pour moun ki naïf oh bon même si yo allé nous pas gain justice en Haïti mais yo pral juger yo l'autre bon et bien tout monsieur ça yo la caillou c'est comme si pays de Saline nan son côté lié li pas gain système justice ni moun gen doit venir faire sauver ici et ou pas violer rien seul côté qui gain justice c'est l'arrivée kay américain. Directeur exécutif réseau national qui a défendu droit moun dans pays et qui a fait promotion droit sa yo et RNDDH monsieur Pierre Espérance dans interview Libé Radio Kiskeya journée jeudi pas ouais du tout à konbonje libération Estera Michael de prendre la parole pour me dire faut que tu la gueule et c'était dans un élan pour te dénoncer autorité haïtienne yo qui gè trop discrimination mais cependant ça Pierre Espérance dit les grands pires sens et dans niveau justice et parce que faut que la justice ait obtenu et deux chauffeurs ça toute une série de informations puisque était avec monsieur yo il dénonce ses décisions juge Osner petit papa prend il libère Estera Michael et à partir de première audition seulement et dans sens ça il estimé juge n'a banalisé dossier promoteur doit mon faire connaître Estera Michael et gain relation avec Jovenel Moïse en tant que président et puis tout li gain relation avec patron Jovenel Moïse qui mettait sous pouvoir et chef régime non et Pierre Espérance estimait la justice dans pays d'Haïti était capable utiliser Michael Estera pour capable joindre plus information sous mercenaire yo ak soumission yo te gain n'a pas le directeur exécutif réseau national qui a défendre doit moun dans pays d'Haïti monsieur Pierre Espérance qui te parle concernant micro Laurie Louis Jeune bon juge d'instruction et qui sous dossier qui décidé qu'on y a libéré les haïtiens ça qui était probablement c'était chauffeur monsieur yo et interprète yo et qui c'est un monde qui lié avec la famille ancien président Maté donc c'est un monde pour moi-même qui gagne en pile et information et pour nous-même juge là décidé banaliser dossier les libérer moun nan en première comparution ni parce que son dossier qui est extrêmement sensible qui gagne en pile ramification là-dedans qu'on y a juge d'instruction t'es capable tout profiter occasion ça et dans première comparution pour mon en ballon série d'informations et chercher qu'on est tout s'il t'a mené en instruction avec sérénité pour qui ça non dossier comme ça côté que ministre justice a bail l'ordre illégal pour libérer monde pour bail la justice pays nous
Et souffler de ça, ça veut dire qu'il était capable de poursuivre le ministre et poursuivre le monde qui était exécuté l'ordre et ministre et de l'autre autorité. Malheureusement, le juge a décidé de banaliser le dossier. On n'a pas demandé pour la guerre qu'un pays haïtien indéfiniment dans la prison. Ce n'est pas ça nous demander. Mais nous disons que ce n'est pas normal. Pour un monde qui a plus d'informations comme ça, donc, monsieur ça, ici haïtien qui est au Kembea, il n'est pas supposé libérer la première comparution. Libérer la première comparution, c'est banaliser le dossier. Donc, c'est un monde, pour moi-même, il faut que tu aies confrontation qui fait avec l'autre monde qui souterrain qui est impliqué dans le dossier et avant même qu'il ait été libéré. En même temps tout, Jean nous te dit la RNDDH côté que nous condamner comportement exécutif là côté que il prend pouvoir judiciaire, il prend et pouvoir judiciaire, il prend la justice en pays nous, il passer dans papier dans quatre dossiers ça parce que son dossier qui devant la justice et exécutif là pas doué rentrer dans le dossier justice. Directeur exécutif NDDH, là, M. Pierre Espérance, toujours dans l'interview, ça, une autre part, et dirigeant RNDDH, là, critiqué à toute force, li, séance en commission justice et sécurité Sénat, t'es fait accès SPN, non, semaine ça, c'était mardi, pour te faire lumière, et sous dossier ça, jusqu'à présent, peuple haïtien paraît clair la donne. Et pour M. Espérance, ils sont simulacres parlementaires, yo, et t'as fait, c'est pas vraiment établi traité dossier parce que d'après ça le dit il y a quelques parmi eux qui impliqué dans dossier mercenaire yo li fait connaître sénateur yo te doit interpeller puis révoquer là pour là ministre de justice Jean Oudi Ali pour capable prouver devant nation il a fait travail yo mais yo plutôt appuyer sans garder derrière toute action exécutif l'a fait appuyer avec DG et Pierre Espérance estimé pouvoir législatif ça. Et c'est un mal pays a souffri tout parce que yo pas fait travail yo comme ça droit. Li fait connaître li gagnen pour citer non tout monde qui proche pouvoir qui impliqué dans dossier ça. N'a pas tande directeur exécutif réseau national qui a défendre et droit moun nan RNDDH monsieur Pierre Espérance toujours nan micro Laurie Louis Jeune. Nous constatons que le Sénat, jour mardi, le 26 février 2019, là, dans une séance qui a fait et dans le Sénat, soi-disant séance commission justice et sécurité pour l'imier fait sous dossier ça. Mais alors que c'est pas vrai, il n'y a pas besoin de l'imier fait, il a fait une opération et médiatique pour banaliser le dossier. Là, il a demandé responsable de la police pour avoir toute information, tout détail sur le dossier qui concernait même des sénateurs qui proches pouvoir. Pas oublier que le monde qui t'a cherché. Sept mouns qui est entré dans le pays jour dimanche 17 février 2019 là, c'était trois mouns qui proches pouvoir. Yuna Dayo, c'est conseiller président, Jovenel, et deux l'autre, c'est des mouns qui proches la famille. Ancien président Matéli. Donc dit que son dossier qui est extrêmement sensible, qui grandit la ramification là-dedans. Et Mounzao, il était sorti Baltimore dans un petit avion privé. Il est arrivé en Haïti à 5h45. Et le matin, dossier a pas un simple dossier. Parce que pas oublier que au gain dans le Sénat, une majorité qui a supporté aveuglément l'équipe qui est sous pouvoir malgré toute dérive qui fait. Yo. Et le Sénat pas jamais joué rôle, pas jamais exercé pouvoir contrôler. Là, par exemple, yo mandé sous place publique pour responsable la police, yo bay tout détail sous dossier, son façon pour yo banaliser li, pour yo capable qu'on y a à l'attaquer policier yo et après ça. Donc, si Sénat te vle jouer rôle, il te vle font travail, il te vle réparer sa autorité, sa pouvoir exécutif a fait dans quatre dossiers, ça par rien. L'autre bagaille pour yo te faire, c'est pour yo te interpeller, mini justice ça et puis révoquer. Comme Sénat, li cautionné tout sa gouvernement fait, li cautionné tout sa exécutif a fait, et ça, et pas de national fait dans dossier ça, pas aucune importance pour eux. Dossier ZAM illégal, pas aucune importance pour eux. D'ailleurs, nous attendons le président de la commission justice et sécurité dans le Sénat et qui a dit que c'est hypocrisie qu'on paquette monde qui a psychilé avec ZAM et illégal. Mais non, on pas qu'à comparer ça. Si il y a des monde qui a psychilé avec ZAM illégal dans le pays, c'est Wolio en tant que yon n'a pouvoir. Il là pour exercer le contrôle sur l'institution, pour forcer l'institution faire travail et puis tout le monde dans l'exécutif là qui n'a connivence avec bandit. Pour révoquer, il y a pour révoquer ministre intégré, il y a pour révoquer et l'autre monde qui n'a connivence avec bandit. Donc, ça montre que législature ça organ là et c'est un mal pour pays là. Et mais que y a massacré monde dans la saline, que y a massacré monde dans manifestation, que y a pillé et l'état, ça pas dit rien, il suffit que yo joine avantage. Monde ça on t'a dit et que qui c'est lui qui a permis avec Jovenel,
Bon, écoutez, et la police judiciaire gagnoyo, oui nous gagnoyo, son dossier nous gagne information sur lui et c'est progressivement n'a bail information. Vous songez, mon entre en Haïti le 17, le 18 nous font notre sortie pour nous bail détail sur qui zame qui était dans méo, qui équipement qui était gagné. Donc nous-mêmes nous pas voulu entraver enquête police judiciaire si la police judiciaire continue pour enquête vraie. Donc et suivre mais au moment opportun n'a cité nous. Voilà, c'est directeur exécutif NDDHK, M. Pierre Espérance, non micro Laurie Louis Jeune, sous dossier mercenario. Un dossier moun qui intéressé dans le dossier ça qui concerne yo. Il a battu pour dossier à mourir, gens qui habitué fait ça déjà, enterré plusieurs dossiers, grâce à l'autre événement qui pral vini, grâce à période carnaval, carnaval côté budget carnaval l'a passé. Pendant que pas de carnaval, mais budget carnaval lui-même qui s'est fait avec, et question sans réponse, mais il a joué sur tout ça, et pour et dossier ça, petit pour le teigner dans l'actualité. Et puis, tu as gagné présence la police, Simo, qui t'a attiré attention, journaliste qui était présent jeudi à le Sénat. Selon information, au portail nous sous place de Rive Jeune d'Assemblée, c'est président Sénat, et sénateur Calmur Akantav qui t'a demandé direction police dans l'ouest non support la police pour te venir mettre dehors un gros employé madame Casseus conférence président qui était responsable activité officielle dans Sénat était voyé aller mais questeur retourner à clin en poste li et agent sécurité Sénat et empêché employé yo ak et tout visiteur était sous la cour. Alors, ce que c'est au nom de Dieu, Louis. Et finalement, opération n'est pas faite jusqu'à ce que tout le monde qui concerne yo te vienne quitter le Sénat bon 3 heures après-midi. D'après ça, reporter nous, Vilner Joseph, fait connaître. Yon l'autre part, c'est sous thème faire avancer la justice sociale, promouvoir le travail décent. Et responsable organisation internationale travail dans le pays a été lancé. Semaine ça mardi célébration 100 ans depuis OIT existait. C'était occasion pour coordonnateur organisation internationale travail là dans pays d'Haïti Fabrice Leclerc, ministre affaires sociales et travail là Marie-Élise Brisson-Gelin, président chambre commerce et industrie d'Haïti Bernard Crane et tu prends la parole qui c'est coordonnateur forum économique secteur privé et secrétaire général Confédération travailleurs haïtiens CTH René Préville Joseph pour parler de importance et institution mondiale ça qui c'est Organisation internationale travail OIT. Un reportage Vladimir Maurice Guidoy. Conférence pour la presse ça qui était fixée pour 11h t'est démarré après un gros retard à cause ministre affaires sociales la patrivial. Alors ce que personnalité qui t'est dû prendre la parole yo t'est déjà chita sous table là coordonnateur OIT a dressé un bilan positif sous travail yo réalisé. Fabrice Leclerc précise avant longtemps, il a annoncé série activités au privé organisé pour marquer célébration centième année création, organisation travail là, tant coup, conférence débat et exposition pour permettre monde connaît différents travail à faire promotion justice sociale et dialogue social, plaider en faveur travail décent, c'est quelque parmi principales missions OIT à remplir à travers monde là selon Fabrice Leclerc. Le thème retenu pour cet anniversaire ô combien spécial, faire avancer la justice sociale et promouvoir le travail décent. Un thème qui renouvelle l'engagement de l'OIT à accompagner les États membres dans la promotion des droits du travail, l'amélioration de la protection sociale, le renforcement du dialogue social dans le cadre des défis liés au travail et la promotion des opportunités d'emploi décent. Nous allons donc poursuivre avec nos différentes activités pendant ce centenaire. Nous souhaitons de manière spécifique continuer à fournir notre appui aux discussions pour la révision du Code du travail, renforcer le dialogue tripartite et renforcer les institutions de formation professionnelle, dont notamment l'INF. Ministre Affaires sociales et travail a remercié responsable OITIO pour le travail réalisé en Haïti. Marie-Élise Brisson-Gelin, qui t'a parlé de l'importance des 10 gouvernements bas et travail décent, rappelé Premier ministre Jean-Henri Seyan prend engagement pour le discuter avec patron yo dans le secteur textile là, sous salaire et conditions
ouvriers. Le MAS profite de cette occasion pour remercier les différentes sections du Bureau international du travail en Haïti pour l'accompagnement technique qu'il nous a donné afin d'améliorer les relations de travail entre les partenaires sociaux, travailleurs et employeurs. Ce pour faire suite à l'engagement du Premier ministre haïtien qui a promis de consulter les employeurs, particulièrement ceux du secteur textile, pour discuter de la question relative à l'amélioration des conditions de travail. Dans l'intervention, parle président de Chambre commerce et industrie, Bernard Crane, rappelé que le pays a traversé une grosse crise qui rend l'économie plus fragile. En pile, entreprises, tant que touristes, et assemblage là, menacé. Coordonnateur Forum économique secteur privé a déclaré, acteurs concernés, a travaillé sur un projet, révision, code travail là, il y a bien pour soumettre, avant longtemps. Non, conseil ministériel. Nous sommes en train de vivre des moments difficiles en Haïti avec une crise qui se prolonge et qui met en danger l'économie de notre pays. Cette économie fragile est malheureusement affectée dans des secteurs aussi vitaux que le secteur de la construction, le secteur du tourisme, dans lesquels des entreprises sont en train de se battre depuis des années pour survivre. Et non seulement ces entreprises sont en danger, mais les emplois qu'elles créent sont également en danger. Le secteur de l'assemblage est lui aussi en danger. Nous sommes donc dans un moment difficile, mais nous célébrons quand même des années de travail en tripartite grâce aux efforts de l'OIT, la révision du code du travail. Je dois vous dire que depuis 2013, nous travaillons sur ce code. Ce n'est pas facile, mais nous pensons y arriver cette année en finalisant un projet de révision sur lequel nous travaillons chacun des secteurs et qui devrait permettre de présenter au Conseil des ministres vers, j'espère, le mois de mai, un projet de code révisé qui pourrait aller au Parlement avant la fin de l'année 2019. Secrétaire général Confédération Travail Haïtien, CTH, René Préville-Joseph, plaidé en faveur de bonnes conditions de travail dans le pays. Syndicaliste salarié travail OIT, pendant le profiter, plaidé en faveur liberté syndicale dans le pays. La chute du pouvoir d'achat des travailleurs creuse davantage le fossé entre les différentes couches de la population. Les premiers signes de l'année 2019 n'augurent aucune amélioration pour la population. Au contraire, la situation s'empire. La perte de valeur de la goutte par rapport aux devises étrangères, particulièrement le dollar américain et l'euro, est le signe le plus palpable de la situation économique désastreuse des travailleurs. N'a pas rappelé, Organisation internationale travail OIT est fondée en 1919, dans le finissement Première Guerre mondiale là, à partir du traité de Versailles là, à partir du traité de Versailles qui était souligné, il y a un vrai appel à monde là, pas capable bâti sur aucune autre base qui pas justice sociale. Environ 180 pays sous la terre, membres OIT, Vladimir, Maurice Ridoré, Radio Kiskeya. Merci, premier coup de peine d'actualité internationale, là, à mener dans Nations Unies, dans New York, à côté là, aussi, avec la Chine, servi avec veto, yo gagné dans le Conseil de sécurité à Jodia, pour yo bloquer un projet de résolution, Washington, États-Unis, et était présenté devant Conseil de sécurité à côté de demander pour une élection présidentielle libre qui pour faire dans pays Venezuela et texte qui demandait tout pour aide humanitaire capable entrer dans pays Venezuela pour livrer la population et malgré refus président Nicolas Maduro États-Unis a insisté pour aide ça qui bloquait dans pays Colombie entrer dans territoire vénézuélien et gain 9 voix qui était nécessaire, il était joint qui votait en faveur et deuxième partie ça dans document et qui c'est question aide humanitaire et ça qui forçait Moscou qui donc la Russie, Pékin qui donc la Chine et pour y servir avec veto y gagner pour bloquer résolution pour le pas passer. Ambassadeur Whistler des Nations Unies, Vassili Nevenzia, monsieur justifié décision ça, il dit parce que il peut que si résolution votée et États-Unis pas servi avec pour préparer une intervention militaire qui a venu en bas drapeau intervention humanitaire. Et bon côté parle, gagne un représentant la France non qui gagne droit de veto tout dans le Conseil sécurité mais qui bon côté États-Unis et François Delattre, il te fait connaître avant ça que texte États-Unis présenté a pas aucune base légale qui ca permettre États-Unis servi ak force militaire à partir de vote l'état joint et Texas si ta voté dans conseil sécurité et ni dit tout ni pas aucun moyen à travers texte États-Unis te présenté pour écraser souveraineté pays Venezuela ça est position
ambassadeur français. Afrique du Sud, bon côté parle voter contre projet résolution américain en tout, alors que il y a trois pays qui ont même fait abstention. Et un projet résolution, l'autre projet résolution devant Conseil de sécurité à tout, c'est la Russie qui t'est présenté et projet résolution ça, lui-même pour soutenir gouvernement Nicolas Maduro et pour demander pour joindre une solution politique pour sortir Venezuela dans crise sans pareil, il plonger. Mais tout, lui-même tout, et yo rejeté et dans Conseil de sécurité a, c'est quatre pays seulement qui t'ont voté en faveur. N'a pas rappelé ces 5 pays qui ont droit de veto dans le Conseil de sécurité. Pays ça, c'est États-Unis, c'est la Chine, c'est la Russie, c'est Grande-Bretagne et la France. Et l'autre membre du Conseil de sécurité, et c'est dans le cadre de l'ouverture et qui fait dans le Conseil de sécurité de façon tournante, mais ils n'ont pas gagné droit de veto. Veto, ça veut dire, jouer la Chine avec la Russie fait dans le dossier Venezuela. C'est même Jean-Tout, par exemple, la Chine avec la Russie était capable de voter une résolution qui votait dans le Conseil de sécurité, qui était voté pour te déployer ton ministre en Haïti. Si vous te mettez droit de veto, il n'y a pas de déployer ton. Et vice versa, tout, États-Unis a bloqué quelque soit résolution que la Russie ou bien la Chine prend, non dossier, États-Unis pas d'accord avec, par exemple, pour Israël. Depuis la pro décision contre Israël, États-Unis pas besoin de connaître ça avec DG, il mettait veto. Depuis Youn, dans 5 membres, servi avec veto, et bien résolution pas passé. La fin premier campé. Olapalais.com. Non, studio Bertrand Pierre-Louis, il fait exactement 5 heures, et n'a pas salué tout internaute qui a recevoir sur www.radiokiskeya.com, quelque chose à côté, vous voyez, tout ça tout qui a recevoir sur plateforme intelligente. On va nous retourner dans l'autre point dans l'actualité. Villeneuve gain avec les soulignants, M. Mario Joseph, qui a la tête organisation et qui a défendu le droit de monde BAI, qui écrit une lettre tout l'ouvrir, vous voyez, ambassadrice américaine dans Port-au-Prince. Oui, effectivement. Bonsoir Lili, bonsoir auditeurs, auditrices, Radio Kiskeya, particulièrement Journal 4 heures. Et nous gain avec nous une lettre et Mario Joseph, qui est responsable bureau avocat international, a écrit ambassadrice américaine, Madame Michelle J. Sisson. Côté, il fait ensemble rappel par rapport avec question MINUSTA, choléra qui est en Haïti, Nations Unies, responsabilité de l'agression sexuelle et agent MINUSTA. Et dernier point, c'est décision qui prend pour 8 mercenaires. Côté, il écrit une lettre pour dénoncer ingérence et ambassade des États-Unis avec complicité autorité haïtienne. Yo. M. Mario Joseph, bonsoir, bienvenue sur Radio Kiskeya. Et bonsoir Villeneuve, bonsoir Lili, bonsoir tous les gens Radio Kiskeya. C'est un plaisir pour nous là, dans la radio, et puis encore, on a dit bon retour Radio Kiskeya. D'accord, merci. Alors, d'accord, merci beaucoup. Partagez avec auditoire Radio Kiskeya, yo, et contenu, lettre ça, et vous voyez par l'ambassadrice américaine. Bon, voilà, et nous écrit Bureau Avocat International, BAI, nous écrit Madame Simpson, ambassadeur américain dans le pays d'Haïti, pour nous dénoncer l'ingérence et les États-Unis a fait via ambassadeur dans l'affaire interne pays, particulièrement dans la question de la justice. Là. Et tout le monde connaît et a gagné près de 7 mercenaires et qui étaient là en Haïti, qui étaient venus soit pour casser banque et soit pour tuer des opposants et avec tout ça il dit bon normalement jusqu'à présent personne n'a connu rien sur question ça et de manière simple et il y a seulement DCPJ monsieur Canéus prend sous responsabilité mais pour le faire pour le remettre mon sur les États-Unis d'un coup en Haïti pas gagné autorité. Mais en même temps, pour nous voulons faire public la connaît, son pratique que les États-Unis gagnent, et avec des autorités qui baguent couille ça, yo. Parce que nous gagnons un client, nous, et qui est victime de viol, de un soldat américain, bon, généralement, frappe d'un haïtien, de Spanier, parce qu'on a utilisé ça fait vacances, c'est Mac Kirby Delva, et qui
et le 28, et, disons mieux, en un mois d'août, là, et il fait viol, un viol collectif, mais avec trois frères. Il a passé son jeune demoiselle qui gagnait 22 ans. Et par la suite, il a porté plainte. Il a arrêté. Il a passé devant le parquet. Et dans l'état, il a toute date. Il a passé devant le parquet. Et le parquet a eu réquisitoire et d'informer, voyez dossier pas devant. Il y a un juge. Il y a un juge lui-même qui est sous dossier ça. Et les juges l'envoyaient et cherchaient trois et agresseurs, trois violeurs. Et bien, c'est deux qui viennent joindre. Et ils ont un troisième qui est venu. Et ils ont dit il y a un ballon rapport. On a même avocat et victime, non? Nous allons dans nos grands juges de paix qui sont en prison, qui constatait, et Jean Caprel dans les plats, et qui dit que ils ont voyé, ça veut dire, à noter que dans l'espace, quand on mentionne les VD courants, eh bien, on constate qu'il a été transféré à la DCPJ pour se rendre aux États-Unis d'Amérique. Ça veut dire, monsieur est fin violé avec trois frères, li, et il a lagué, même j'ai lagué l'autre monsieur, il a lagué l'autre deux, c'est haïtien, il a fait ça, il voulait, eh bien, en bas, monsieur Caneus, il voyait, lui remettre les États-Unis, monsieur, et il n'a pas dit rien sous la victime, non, et bah, la justice est bien en question ça. Donc, nous-mêmes, en tant que BAI, eh bien, nous dénonçons, mais nous avons marché sous tout le monde qui fait des actes illégaux, ça. Et c'est pour nous dire son pratique, et nous dit l'ambassade américaine, et monsieur et madame et Simpson, il n'est pas capable, il n'est pas possible, c'est pas relation ça va être gagné avec les États-Unis, il n'est pas normal, même si monsieur n'a pas de couille, n'a pas de aucune volonté pour faire rien, mais pour faire respecter ça Haïti signé. Mais Haïti, c'est un pays qui est indépendant et qui lit ouest. Dans l'aide à mettre Marie-Joseph, je vais poser la même question. Vous avez demandé est-ce qu'il y a une possibilité pour même parler des associations malfaiteurs entre l'ambassade des États-Unis en Haïti avec l'autorité haïtienne. Ça, c'est le comportement. À chaque fois, il y a un problème qui passe depuis qu'il y a un soldat ou bien un Américain là-dedans, eh bien, il a utilisé Caneus, qui est un ancien militaire. Et qui coulait à l'île en question, et la police là. Donc, il connaît bien. Et monsieur connaît bien en tant que militaire. Même s'il t'a reçu l'ordre, mais depuis l'ordre là, t'as manifestement illégal, il n'a pas qu'à obéir, il y a trois façons pour faire, ou bien il connaît la paix et conséquence. Donc, nous, à continuer, nous dénoncer le comportement et madame ambassadeur, et nous prenons marcher sur l'autorité et tout, qui ont même qui accepté et des actes comme ça pour connaître qui monde qui fait là. Voilà, c'est dans ce sens-là que nous écrit l'être là pour dénoncer l'ingérence et les États-Unis et en dedans et affaire interne pays d'Haïti et particulièrement dans la question de justice, que même il y a dit, tant qu'il y a parlé de détention illégale, il y a parlé de pro-justice, il y a parlé de balles, il y a parlé de corps, mais ce n'est pas réellement pour renforcer la justice, non? Parce que c'est au même tout qui a mis la justice en genoux, mais qu'elle a terre. Voilà le sens de l'être noir et n'a pas continuer et faire le monde entier connaît ça. Qui voit l'ambassade américaine a joué ici dans la question de justice là? Pas seulement les mercenaires, mais il y a d'autres monde qui a violé les filles, qui ont même, ils ont pris, puisque c'est soldats, ils ont pris, ils ont la caillou avec sans juger, sans rien. Et si nous prenons le cas del chapeau, et nous disons ça pour toute autorité, qui c'est un causé de patenté, malgré tout, le Mexique te fait passer devant un juge et pour te connaître. Est-ce que c'est addition, c'est correct, c'est bon? Là, nous parlons de question de ces additions, non? Parce que non, c'est des mondes qui font des actes en Haïti. Et il ne s'agit pas des États-Unis. Là, ils ont la guerre, ils ont joui de tout droit. Donc, dans des cas, monsieur Sao, c'est des messieurs marocains. Moi, je ne peux pas expliquer l'autorité, ça nous gagne, des chefs, ça nous gagne dans cette pays. Mais je ne peux pas expliquer. Je ne peux pas gagner pour expliquer. Oui, maître Joseph, est-ce que dans l'être, nous n'avons pas parlé de visite sous secrétaire d'État? Vous parlez de lui? Ce secrétaire d'État? Secrétaire d'État américain. David Hale. David Hale. Non, vraiment, moi, pas trop, mais les gens ont fait mon ça. Je connais ce dicté la vine baille. Mais je connais la vine baille de dicté parce que c'est, que ce soit opposition, hein, que ce soit M. Jovenel. Yo c'est même on série de petits cabrit qui marrait dans même pied table là. Bon la vinn parler avec moun yo, bon moi même la vinn dit moun yo et ba yo l'ordre
ça fait pour bataille peuple la pas qu'avancer parce que monsieur Sayo le conseil boss est capturé ficelle yo donc autant de couleur ces peuple haïtien qui pour prendre responsabilité et qui pour mener bataille parce que monsieur qui un seul boss et ouais différence qui capable gagner dans comportement et qui gagne Venezuela yo, par rapport avec Haïti et me penser là tout et dénonciation que et Poutine fait et dans le Conseil de sécurité à ce question ça, puis assez important pour tout pour nous comprendre de politique de deux poids et deux mesures, les États-Unis a mené tout. Donc moi-même je pas voulais rentrer dans la question ça parce que il y a des actes malhonnêtes, vagabondage qui a fait et dans la justice là, c'est ça n'a pas dénoncé mais peut-être une autre fois et garder et ouais et de quoi il en retourne avec Vini. Même Jean l'autre Mounio, Chéri Mills, Vini, même Jean l'autre Mounio rentre dans le Parlement, tout partout. Donc Haïti sont savants, nous savons qu'il y a côté, la France qui a pas de monde. Parce que question comment ça devient, question et les relations diplomatiques, nous pas respectant rien, nous pas jouant rien, et nous pas non l'ordre, nous faisons qu'il y a pas de bagaille. Donc même penser que c'est le temps pour nous couper, fâcher avec les États-Unis, parce que même pas qu'on est, rapport nous avec les États-Unis, côté le menant, non. Ça le baille, ça le vaut. Sinon que, mettez des doublures, des présents de doublures, des mouns qui baguent couilles, qui baguent personnalité, qui baguent aucune personnalité. Donc, moi-même, je pense que et pour peuple haïtien, pour Martio, ça veut dire monsieur mettre vini et retourner vini encore. Et c'est 50 combats à dégoûter parce que la vine baille, et que ça en opposition, ou est comment, et mobilisation est cassée parce que monsieur, il y a un chef, il y a un même chef, c'est ambassade américaine, et quand ça y a parlé, ouais, ça qui est arrivé. Les drapeaux a été boulé, les drapeaux américains, ouais, qui n'a commencé à dire pardon maman, pardon papa, etc. Non, pas de pardon. Donc, avec comportement ça y a, nous ne pouvons pas prétendre rien, sinon que y a un commandeur qui a vint by l'ordre et à des mouns qui m'arrivent même côté. Merci beaucoup, Maître Magui Joseph. Puisque vous êtes disponible pour nous, pour te partager avec nous ensemble information, vous avez dans l'aide ça ou adressé avec l'ambassadrice américaine dans le pays d'Haïti. Merci. Allô? Nous perdu contact là, mais nous avons fini l'interview à tout. Nous avons remercié Maître Mario Joseph à la tête BAI. Et concernant l'EPSA, il voit bailler ambassadrice américaine non, qui est accréditée en Haïti. Merci, Vinner. D'accord, Lili, merci beaucoup. Et nous parlons en province, responsable coordination région NIP, CORENIP, Pierre Philogène, critiqué comité facilitation dialogue, président Jovenel Moïse, créé, limité sous pied, d'après lui-même, qui pas baille en rien. Responsable CORENIP, déclaré président Jovenel Moïse, montré à clair, li pas gagne qu'en a fait dialogue l'a fait, dans façon, li a agi, et par rapport à situation pays a fait face. Le jeune Justin pour plus de détails. Responsable à coordination organisation région NIP en CORENIP Pierre Philogène fait qu'on est comité facilitation dialogue national haïtien président Jovenel Moïse mette campéa pas bay résultat pour retirer pays d'Haïti dans crise de la journée aujourd'hui parce que selon monsieur Philogène c'est un comité qui fait en seulement sous initiative chef l'état qui prend le travail pour faire président plaisir toutefois dirigeant CORENIP plan déclaré président pas montré à clair li sou dialogue à cause Jean l'a pas affiché li bon côté premier ministre à clos secteur dans pays en Pierre Philogène président gen droit dans dialogue là yo rendre compte président départ comportement et agissement li monsieur pas digne pour continuer rester dans tête pays pour diriger pays a mais faut que monsieur ta prêt pour li accepter des décisions comme ça et pour moi dans comportement monsieur dans agissement li li pas paré pour le fond dialogue sérieux dans pays a parce que tout monde rend ni compte monsieur pas capable dans pays a bon port et dans Jean pays a doudiner là dans Jean pays a dégingoler là c'est des capable dire mauvaise gouvernance c'est mauvaise gestion reprendre qui mène nous dans situation ça et deux ans président passé dans tête pays a sont catastrophe et comme vous mettez à disposition le côté comme ça au sorti qui gens ont dépensé et ben sont ou pas capable analyser deux ans fonctionnement président pour effectivement mesures économiques qui prennent dans pays a dans façon l'état séparé avec des particuliers chaque institution l'état dans main dans main un sénateur un député ou bien l'autre particulier et moun za yo ti gabji a fond dans yo tout en ben tout bagage ça yo montrer que le président pas prêt pour l'accepter aucun dialogue qui vient
retirer le pouvoir dans même. Puis loin, dirigeant coordination organisation Corini Plan mandé population haïtienne pour le garder calme jusqu'à ce que opposition à différents secteurs dans pays a défini une alternative commune pour retirer pays dans situation critique liée la journée aujourd'hui. Depuis Miragouane Métropole Nip, Louis Jean Jocelyn, Radio Kiske. Ainsi toujours concernant situation crise pays a fait face nous pour aller dans nord-est met Evans fils qui c'est avocat dans barreau for liberté a critiquer comité facilitation dialogue président Jovenel Moïse fait créer a avocat dit li pas quoi dans initiative ça li pas porter aucune solution dans crise ça cap dé pas fini avec pays a puisque selon lui même président Jovenel Moïse pas même capable identifier vrai problème à revendication collectivité a Samson Charles Amazon pour plus de détails. Avocat militant dans Barreau Nord-Est, Maître Evan Fils, réagit sous comité pour faciliter dialogue avec tout haïtien, président Jovenel Moïse installé à. Pour Maître Evan Fils, initiative si là, pas porter en rien comme solution. Avocat avancé plusieurs raisons pour lui montrer, comité si là, pas porter en rien concret, non résoudre problème pays à, cause de chef l'État, pas même capable d'identifier problème pays à, aller voir pour ta résoudre lui. Avocat à quoi, moment, pas mérité dialogue, population bouquet tendait parler des mots dialogue si là parce que yo pa jam bay résultat et décision président pas bay résultat parce que président pas identifié le véritable problème de la nation. Deuxièmement, peuple a fatigué avec jeu de mots ça yo, jeu de synonymes ça yo. Troisième raison qui fait président initiative comité dialogue présidentiel en pas réussi, c'est parce que yo pas conduit, yo pas dirigeant pays avec dialogue. Moi peut-être position nan ka anticonformiste, ka blessé en pile moun kap tande. Même quoi une nan dérive pays a connait c'est que les dirigeants croient au ka gérer avec dialogue. Non, moi me croit que à présent dialogue l'ont tourné un instrument d'impunité, un instrument que l'élu le responsable utilisé l'a échoué pour le dire non, quitter me là toujours, quitter me continuer parce que gain dialogue pour nous faire. Donc moi me penser dialogue ça son instrument d'impunité pour nous faire des ordres, il pas qu'à résoudre problème pays là. Et enfin, comité de dialogue pas qu'à réussir parce que ou pas qu'à mander aux victimes pour le chita avec un bourreau pour le faire dialogue. Puis loin, avocat militant en coin. Pour le peuple a joué une satisfaction, faut que la justice là indépendante tout bon vrai, pour procès plutôt caribé a capable de faire comme ça droit. Sinon, crise politique actuelle là, pourquoi après, même si nous t'avons changé gouvernement, Simpson Chalamazan, depuis Wanamet, pour Radio Kiskeya. Merci, non, Godos, ancien député circonscription Bonbon, Abricoa, Jeffra, Etienne, critiqué Caravane, Jovenel Moïse, te mette sous pied, hein, qui pas arrivé d'après ça dit dans localité Abrico. Ancien parlementaire regrette tout et ta route Abricoa, lui dit qu'il c'est un véritable danger pour population et lui lance un appel by autorité concernée pour voyager particulièrement sous commune Abrico dans Grandens. Plus détails à correspondant nous dans département ça, Charles Émile Joissin. Ancien député 45e législature haïtien, pour circonscription Bonbon Abricot, Geoffroy Etienne, lance un vibrant appel by président Jovenel Moïse, dans l'idée pour faire programme caravane changement, rivé sous tour son route Jérémy Abricoa, qui représentait un gros danger pour la population commune Silayo. Ancien parlementaire 45e législature là, Geoffroy Etienne. État déplorable, son casquette chinois population Abricoa, Bonbon, parce que depuis que vous arrivez Bonbon, il y a beaucoup de gens dit tout, parce que là, il n'y a rien dit tout. Nous avons des caravanes pour un jour venir faire, mais une caravane ça va arriver à Abricoa. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un percé ou tout, fermé par où tu es. Là, on prend l'entrée à Abricoa, sur la tête chargée, avec un camion qui a monté à Madame Sarayo, c'est bon Dieu qui a acheté Mounzaïo, parce qu'il n'y a pas de gens. Et chaque lundi, quand on a un camion sur Port-au-Brésil pour chaille, Madame Sarayo, le marché, mon cher, son mari est terrible pour camion qui a monté ou de Sarayo, c'est bon, et moi, c'est bon Dieu qui a des Mounzaïo. Ça me donne même pour le président Jovenel, particulièrement, qui n'est pas banane, qui n'est pas de l'eau, je me donne pour vous et ministre de la République, mais nous enquête sur Abricoa Bonbon, pour qui est à déplorer pour ça. Selon ancien parlementaire Abricoa, Geoffroy Etienne, si route c'est chemin développement, tout bon vrai, il était quoi, pour son route Jérémy Abrico, pas prêté, il y a un défi pour l'État haïtien. Charles Émile Joissin, Radio Kiskeya, Jérémy. Bon retour, Charles Émile, grand pilote du tech, t'as pris des pour. La demande de Maniga.
Association commerçant Wanamet te dénoncé dans la presse semaine ça décision autorité dominicaine yo prend pour mettre un troisième jour officiel pour l'ouvrir marché des abonnements et qui en République dominicaine qu'on connaît qui voisinaille Wanamet en nord-est Boseline Joazard qui c'est youn nan commerçant yo et fait connait et si troisième journée officielle marché d'abonne ça l'ouvrir ça prend la cause en pile l'autre business dans Wanamet fermé plus d'état à cause pendant nous et Samson Charles Amazon. Après autorité dominicaine yo fin prend décision pour ouvrir un troisième jour marché officiel dans Dabon sur frontière Wanamet là, association commerçant Wanamet dénoncé à toute force yo troisième jour si là qui c'est mercredi comme jour marché dans Dabon. Dans déclaration youn nan conseiller yo Bouzin Joaza fait konnen yo même commerçant yo pa aksepte troisième jour marché si là et yo mandé pour autorité haïtien yo chita ak autorité dominicaine yo et puis pour construction marché Wanamet qui sous frontière capable continuer pressé commerçant Bouzin Joaza tenan micro la presse jour marché sous frontière Wanamet d'abonnan qui c'est mercredi nous même dans association commerçant Wanamet nous dénoncer ça parce que il est pas possible pour que gagner 4 jours marché déjà comment m'expliquer ça c'est que gagner marché dimanche gagner lundi gagner marché jeudi gagner marché vendredi et sous frontière Wanamet d'abonnement et jeudi avec relation qui coupé avec Venezuela yo te gen pile projet de kon vann Venezuela jodi an yo vle pour l'ouvrir yon l'autre jour qui c'est jour mercredi passé an yo te ouvri porte yo débattant pour yo ta va annoncer gagner marché le mercredi tout nous même nous pas accepter pour gagner marché mercredi parce que gen 4 jours marché déjà ça fait que nous même nous dénoncer ça à un niveau local et national pour que autorité concernée soit capable de bloquer question marché mercredi. Parce que si ça t'arrive fait sous frontière Wanamet d'abonnement, eh bien, tout le monde qui gagne marché communal Wanamet, le monde qui gagne entreprise Wanamet, autopat, matériaux de construction, il met fermé porte parce que c'est son formule même appliqué pour être capable d'éliminer totalement question marché qui gagne dans la zone Grand Nord. Faut que nous disions troisième jour officiel pour marché dans d'abon. Prendre la cause, selon commerçants, yo plusieurs entreprises dans le département nord-est là ferment porte yo à cause yo dit pas capable faire face à entreprise dominicaine yo Samson Charles Amazon depuis Wanamet pour Radio Kiskeya. Oui, n'a toujours été en province et fois ça nous parler dans Port-de-Paix côté chauffeur transport public yo dénoncé responsable pompe gasoline yo préféré vendre marchand gaz là pour capable faire marché noir et au lieu pour vendre l'autre monde tant que chauffeur qui besoin gaz là il faut connait situation ça la cause eh bien yo a acheté gaz là bien cher dans mes revendeurs et qui bay en pile difficulté pour yo capable mener activité yo et quelques dans chauffeur ça yo te parler comme ça dans micro correspondant dans nord-ouest Saint-Jean Whiskis paul@palais.com. Ouais bon problème technique on a retourné nous a fait notre coupe d'actualité internationale là côté chef opposition vénézuélienne Juan Guaido je ne jodi a rencontré avec président brésilien Jair Bolsonaro extrême droite et il dit il est déterminé pour retourner dans Caracas capitale pays Venezuela après une virée on lui fait dans région et il a fait pression et dans toute rencontre ça yo sous Nicolas Maduro et d'après ça le déclaré Juan Guaido et qui était proclamé tête président mois passé par intérim comme président parlement et qui immédiatement te joindre plusieurs pays latino-américains en bas puissance américaine te reconnaître lui avec un pays en Europe et tout il dit il est prêt pour assumer risque ça représenter pour lui puisque il a une interdiction pour te quitter Venezuela. Li risa représenté pour retourner dans pays Venezuela. Li capable même aller dans prison, li fait connait pas peur, pas crainte dollar pas son laier. C'est ça le déclaré. Il t'a parlé comme ça bon côté président brésilien Jair Bolsonaro et li dit que le pape dans chita parler avec Nicolas Maduro, li pas pour dialoguer avec un monde comme ça qui c'est un régime politique faible qui plate à terre et qui pas gain appui peuple vénézuélien. Ni appui pays étranger. Il dit pas gain pour parler avec de monde comme ça. Alors que bon côté pas président Maduro, il fait connaître que il est élu légitimement, il pas prêt aller dans élection avant l'heure. Eh bien Guaido dit c'est pour aller et pour le remettre mandat, c'est dans magouille, il rivé côté lié à
li mande élection libre jan ke États-Unis mande ça dans résolution ça la Russie ak la Chine bloqué jodi a nan conseil sécurité a nous vle pour nous restaurer dans pays Venezuela liberté démocratie ak la a fait bon la vie mignon bien que Brésil te youn nan premier pays qui te reconnaître leader opposition comme président par intérim mais tout jouet se jouet cochette pas la donne Bolsonaro pas bay monsieur honneur militaire jodi a alors que il te recevoir honneur militaire en tant que président nan pays Colombie semaine passée et bien cabinet Guaido a couru expliquer c'est parce que c'est une visite privée monsieur a fait entre guillemets dans pays Brésil Guaido et rencontré avec ministre affaires étrangères pays Brésil là tout Ernesto Araújo et qui t'a supervisé contribution Brésil dans plan aide humanitaire États-Unis a coordonné côté que pas arrivé faire aide ça jambe frontière yo gain avec pays Venezuela pour aller dans pays et il était parlé avant ça dans la journée avec tout ambassadeur Union européenne gain qui en poste dans pays Brésil. Brésil c'est youn nan pays côté gagnen yon équipe manger ak médicament ki stocké sous frontière ak pays Venezuela y a tande laisser passer nan frontière nord Venezuela pour yon capable al livrer. Fòk nou di l'armée brésilienne nan très présent nan nouveau gouvernement extrême droite là son série de anciens gros grades nan l'armée ki occupé pou pipiti un tiers nan poste ki gagnen dans gouvernement Bolsonaro yo même yo pa vle coupe fache ak Maduro particulièrement à cause de dépendance yon nan état brésilien yo Roraima et gen limite ak pays Venezuela li gon dépendance nan question électricité par rapport à barrage vénézuélien rele Guria secrétaire d'état américain en jodia pendant nan avion kap soti avec Vietnam pour mener en Philippines et Mike Pompano il dit Pompeo et li déclaré ba journaliste yo li dit que c'est un gros problème ça qui a passé dans pays Venezuela tant que question aide là par exemple dans semaine qui vient là nous pral résoudre hein pas grand monde qui connaît si c'est vrai on retourne la caille par nous pour nous parler de nouveau plan ça n'a comme lancé et jodi a responsable Natcom yo lancé un nouveau plateforme pour permettre un monde qui n'en pays étranger recharger téléphone Natcom et proche en Haïti sur internet li rele top up online et site là et ou abjoine ni sur www.natcom.com et yo te présenté nouveau et plateforme recharge ça et jodi a dans local Natcom non Pomorin directeur Natcom non qui c'est Sondoui Kouat di nouveau plateforme ça pral permettre client Natcom yo faire recharge téléphone moun ki proche yo pi rapide il déclaré objectif yo nan compagnie ça vietnamienne mais Haïti gen 40% nan Natcom c'est répondre et puis anticiper tout ça qui gen dans domaine technologique là pour permettre bay pi bon service d'après ça le dit vice directeur compagnie téléphone mobile là Natcom profiter occasion ça pour porter explication sur participation Natcom dans événement qu'a fait sur téléphone mobile dans ville Barcelone sorti 25 qui saute fait là pour arriver jeudi a n'attendait directeur adjoint Natcom nan Doui Kouat dans conférence pour la presse à côté dit doit parent est présent pour Radio Kiskeya putting the various charging methods that Natcom has such as webcast Lavula Jere and Toba. You can now recharge your account quickly and easily wherever you are in abroad. With some simple clicks on www.natcomtopup.com website and a credit card or PayPal account, our customer will be able to bail out their account without having to go to a point of sale. Parmi les différentes méthodes de recharge que possède la Natcom, telles que les cartes de recharge, la Boula, Giril et Topop, vous pouvez désormais en toute rapidité recharger facilement votre compte où que vous soyez à l'étranger. À l'aide de cinq clics sur le site www.natcomtopop.com et d'une carte de crédit ou d'un compte PayPal, nos clients pourront renflouer leur compte sans pour autant se rendre à un point de vente.
considering the advancement of technology and the huge role that internet play in our day. Vu l'avancement de la technologie et du rôle déterminant que joue l'Internet dans notre vie quotidienne, l'ANAPCOM, en tant que pionnier en la matière, a pour devoir de marcher avec le temps en développant des solutions simples, efficaces et à la pointe de la technologie à l'avantage de tous ses clients. February 25th to February 28th, ANAPCOM participate in the Mobile World Congress 2019 in Barcelona. Du 25 au 28 février, l'ANAPCOM participe au Mobile World Congress 2019 en Barcelone, un événement mondial organisé chaque année par la Global System Mobile Association, GSMA, appelée Capitale de l'Industrie Mondiale de la Téléphonie Mobile. It is the biggest annual event of the mobile industry in the world. The theme of this year's event is marked Connectivity. C'est le plus grand événement annuel de l'industrie mobile au monde. Le thème de l'événement de cette année est la connectivité intelligente. L'ANAPCOM est le seul opérateur en Haïti à participer au plus grand congrès de téléphonie mobile du monde. En participant à cet événement, l'ANAPCOM veut partager son histoire riche en succès dans la construction de réseaux en Haïti. Il vous faut rappeler que la compagnie a remporté de nombreux prix internationaux tels que le Stevie Award Silver 2015 et a été en maintes fois récompensé par Ookla pour la vitesse Internet la plus rapide en Haïti. Providing high quality of products and services to our customers has been our... Offrir des produits et des services de qualité à notre clientèle a toujours été notre credo depuis 7 ans. Voilà, ce directeur en après ANAPCOM non qui tape parler comme ça Sondou Ikwat. Sous Bopal, gen directrice adjointe en département international là Diane C. Rodriguez Ojeda et qui présentait diverses façons moun ka utiliser nouveau plateforme ANAPCOM non et top up online, li montrer diverses avantages yon client capable joindre à travers nouveau méthode ça. N'attendre directrice adjointe département international ANAPCOM nan Diancy Rodriguez Ojeda. Toujours dans micro Dido Parent. Service top up la j'en ai connu déjà. C'est un service qui permet moun ki lòt bon lo recharger compte moun yo ki Haiti. ANAPCOM made for you now the easiest way for send top up to your family. It just go to the link. Kounya li li facile pou ka recharger compte avec top up. Juste aller sur site ça, www.natcomtopop.com. So, the user just need to go to the menu register. Ça que l'utilisateur a fait juste aller dans le menu pour enregistrer. And you will see that only needs an email address or choosing a password for login. Seul ça a besoin c'est une adresse email avec un mot de passe. Et capable d'utiliser soit un compte Google ou un compte Facebook. So, pour capable d'utiliser cette histoire pour point online, c'est quoi exactement qu'on va suivre? The first one is choosing the number to recharge. Ok, première étape, c'est sélectionner le numéro pour pouvoir recharger pour l'IA. Second one should be to list the amount of recharge. Deuxième étape, c'est sélectionner le quantité de code pour pouvoir dans le monde pour l'IA comme pour l'IA. And the third one is just process with the payment. Ok, troisième étape là, c'est procéder à paiement, soit par un compte PayPal ou bien un code de crédit. Just process now with the confirmation. Pour y'en avoir procédé à la confirmation. And choosing the method of payment. Et puis sélectionner la méthode de paiement. Absolument. Facile. So, qui est donc qui peut pousser au monde utiliser Top Up Online à comme là? We have a lot of benefits. The first one should be the guarantee. Nous avons un peu d'avantage, mais ce qui est important, c'est garantie. Si toutefois, la transaction n'a pas réussi, nous avons garantie qu'on ne peut pas perdre du comme là. Second benefit, out of the top. Deuxième avantage, c'est que vous pouvez programmer vos charges là, de façon automatique. Now you don't need to take care of that. You just go to the link and select your recharge. Juste aller sous le lien, j'ai noté le mentionné tout à l'heure, puis sélectionner qui j'ai ou chose la fait. It can be weekly, every 15 days, even monthly. Il est capable chaque semaine, chaque 15 jours, ou bien chaque mois, ça va dépendre de lui. L'autre avantage qui vient encore, c'est que vous êtes capable de gagner des points de recharge. So let's have a policy for reward points. Là, comme dit, une nouvelle politique pour points de recharge. Donc, vous pouvez utiliser le système ça pour recharger compte mon euro, enfin mon euro qui a été. So, we have extra benefits. Nous, l'autre avantage toujours. First one, no fee. Premier avantage là, c'est qu'on va payer un qui fait. Voilà, c'est responsable international, ANAPCOM, Diancy Rodriguez Ojeda.
dans le moment où il a annoncé le lancement Top Up Online, jeudi, dans le local Nat.com. C'était dans le micro d'Hydro Parent. Nous avons retourné port de paix concernant chauffeur qui a plein d'après avoir pompe gazoline pas voulu vendre directement chauffeur gaz. Je préfère vendre monde qui peut aller vendre qui vient faire yo acheter gaz là bien cher. Plus de détails à correspondant nous Saint-Jean Whiskis. Ça toujours à la ville là parce que malgré nous est pompier gel mais c'est toujours à marcher nous pour vendre c'est à terre nous toujours à acheter. Ça veut dire pour nous avoir gaz à part dans la ville, il faut facilement faire quelques conduits pour nous avoir avec motocyclette nous en bas pour nous mettre le gaz normalement. Si tout ça c'est à terre, gaz à continuer à prendre à terre, ça veut dire toujours là. Pour le patara, ça veut dire qu'il suffit que machin nous patara toujours continuer à prendre gaz à terre. Donc ça veut dire que vous avez gaz là, vous avez un doum? Vous avez un gaz là. Bon, à tellement blanc, je vais faire tout ça. Les après-midi, regardez les machines qui vendent gaz. Ni bon pompio, ni l'autre dans l'autre rue. Il y a un gros 15 jours, un gros 12 jours, il n'y a pas de gaz. La journée, regardez, 15 ça au plein, ou par contre, qui compte le jour de gaz ça. Ils vendent gaz à chaque minuit, chaque minute du matin. Les pompiers vendent à minuit. À minuit. Chaque soir, ils vendent des machines à terre au gaz ça. À terre, à terre, ils vendent 80 dollars. Non, Shell, ils vendent 50 dollars. À terre, pour faire gaz, c'est dans la bataille. Hier, ils font un petit doux gaz pour 130 dollars. Ou nèg après le couteau sous, après le pic sous, à terme, pas un temps pour voir un nèg qui est coulé sur le pic sous, machin yo avant Gaza, 400 gouttes. Pour qui ça? Pour qui ça, blanc? Eh, mais, qui ça a demandé dans ce ça? Maman demande pour une solution dans ça, parce que, si on cherche un gaz, m'a acheté gaz, c'est gaz à fond, il y a échimé de l'écran, il y a un café gaz à fond. Comment? Si vous avez coulé, nous avons un zame, nous avons un rache, nous avons un pour faire gaz. Nous avons demandé à la conseillère de bio passer pour double ça, au cas pour vendre gaz. À combien pour en marcher là? Et puis, on met gaz à pour tout le monde venir pour travailler. Mais comprends, c'est le monde qui a besoin de facilité. Oui, c'est chaque minuit. C'est chaque minuit. Si on a besoin de gaz pour travailler, quand on a vu des gaz ici, c'est le monde qui a besoin de vendre pour aller vendre à terre. Amis, nous avons besoin de rédaction et nous avons besoin de travailler pour nous payer madame, nous avons besoin de manger. Nous pas capables, c'est sous-bagain marché, sous-bagain ça, on a fait ça, on n'a pas capable. Voilà, c'est chauffeur moto, dans micro Saint-Jean Whisky, ça c'est dans le nord-ouest. Dans le nord-est, même problème dans tout. Plusieurs chauffeurs, taxi, moto, dans Wanamet, manifestés jeudi pour dénoncer, mettre pompe gazoline. Ils préféraient vendre gaz dans, bah, revendre pour faire gaz dans vin plus cher pendant qu'ils ont fait marché noir. Ils ne peuvent pas vendre. Et moun qui besoin acheter gaz directement dans pompe, en parlant de chauffeur. Yo. Plus de détails à quand correspondant nous. Dans le nord-est, Simpson Charles Amazon. Entendre avec des mounes et des grenots, ils vendent les bagages à la foule, et puis si ça crée et taximan, ils bagages à la foule. Avec Dr. Joseph Agabus comme directeur général au Fatma. Jodia, au Fatma, dans une situation grave et en danger. Grave parce que au Fatma, pas qu'à bail assurer au bon gens soin à tout travailleur qui travaille dans factorio qui affilié dans au Fatma. En danger parce que au Fatma gagne trop corruption, surfacturation, plusieurs mauvais contrats tête en bas. Exemple, madame directeur Joseph Agabus, qui a un contrat manger dans mail pour Konam avec un montant de 1 495 560 gouttes par mois. Et pourtant, dans le bureau central au Fatma, c'est 150 gouttes pour un mois. Mes amis, corruption entre vivants dans le Fatma. Chef cabinet, directeur de Tagabusla, qui c'est Israël Petit Frère, a touché 180 000 gouttes dans Konam comme frais. Et pourtant, 138 000 gouttes dans le Fatma central comme mensuel li, 46 000 gouttes comme frais dans le bureau central au Fatma, ça paye 364 000 gouttes pour un mois, 93 consultants, montant ça yo, c'est parti de causer, fiche gaz, pas la dedans, 4 téléphones, pas la dedans, agent sécurité, chef cabinet, pas la dedans dans le gagot sa yo, chauffeur, pas la dedans, et pourtant, dans le moment où on a parlé là,
tout employé qui assure dans OFATMA pas qu'à jouer une bonne soin. Nous-mêmes, en tant que comité syndical, nous dénonçons toute pression Agabus Joseph a fait, Nabdi, avec Dr. Joseph Agabus, qui transférait porte-parole qui c'est Woodley Adolphe, moi-même, au cap haïtien, vice-président Jean Sadrak, port de paix, dans le pays, juré régional, avec Jimmy Dagré, libéré tout de M. Saoutaba, et Anous André, M. Boyel Kafou. En plus, directeur Agabus Joseph fait pression sur deux camarades dans tête syndicat pour remettre des missions. Nous voulons parler de Hazard Junior et Madame Eunice Massillon. Jodia, directeur Joseph Agabus, créé propre comité syndical pour le cas faire plus corruption dans OFATMA. Nous demandons avec ULCC, UCREF, CAROS, Cour supérieure des comptes, pour te coller, pour te la main forte à OFATMA, parce que Agabus veut disparaître lui. Voilà, c'est dans une conférence pour la presse, et organisation ça, bah, jeudi, et alors syndicat avec une organisation, et cap bataille contre corruption, toujours dans la même conférence pour la presse, coordonnateur général brigade syndicale anticorruption, Sanson Dumé, déclaré section juridique Bessaclan, a accompagné membre syndicat personnel au Fatma Ayo, et syndicaliste déclaré transfert membre syndicat Ayo, violé article 466 à 467 dans le code de travail. Là, Sanson Dumé, mandé directeur général au Fatma, et docteur Agabus Joseph pour annuler le transfert membre syndicat Ayo. N'attendait toujours dans conférence pour la presse à côté Vladimir Maurice Doré, de présent pour Radio Kiskeya. Coordination nationale brigade syndicale anticorruption BESAC et syndicat du personnel de l'OFATMA SPO, BESAC qui vient pour mission veiller sur bon fonctionnement administration l'État, saisit en de gros et scandales corruption captaille banda dans OFATMA. Par rapport à la situation de Rive Sayo qui vient dans OFATMA, BESAC décide d'accompagner syndicat du personnel de l'OFATMA dans bataille yapmen dans institution SILA pour permettre boîte la fonctionner comme ça doit et tant que plus gros institution assurance santé l'État pays. En même temps, n'a dénoncé une série de transferts droite et gauche, directeur Agabus Joseph a fait envoyer membre syndicat au Fatma Ayo bien loin dans divers départements sans aucun frais accompagnement que article 466-467 code travail là exigé. Mais ça a violé tout principe qui régit fonctionnement l'État. Pendant que section juridique BESAC là a analysé ensemble documents syndicat au Fatma remettre nous yo n'a profité mandé pour directeur au Fatma annuler transfert ça yo pressé avant même nous porter dossier à pas devant la justice n'a permettre responsable syndicat au Fatma yo bay plus information qui fait nous comprendre bien en pile cas corruption dans institution si là. Voilà, c'était conférence pour la presse BESAC avec syndicat personnel non au Fatma. Docteur Joseph Agabus, nous avons essayé de prendre contact avec lui, mais ça pourquoi, bah, résultat, micro toujours été l'ouvri, et pour Docteur Agabus Joseph, directeur au Fatma. Juste avant nous recevoir invité journal 4h, dans Dakar, on a fait un coup de pied, dans le pays Sénégal, côté chef l'État qui était sous pouvoir Macky Sall, c'est lui-même qui réélu. Et dans l'élection qui était faite dimanche, non, depuis le premier tour à 58% dans le suffrage, selon résultat provisoire, et jeudi à commission dépouillement, élection a annoncé. Candidat opposition Idrissa Seck, rivé dans deuxième position à 21% dans le voyo, alors que Ousmane Sonko, lui classé dans troisième position à 16%. Macky Sall, qui est 57 ans sous tête, lui, qui vient en pile critique opposition avec association qui a défendu droit moun yo et peut-être il était exclu ou série de candidats là d'ailleurs adversaire qui était plus sérieux c'est magistrat Dakar qui ferme en prison et monsieur était toujours considéré dans Kassa comme favori dans élection parce que il portait résultat sur plan croissance économique dans premier mandat là dans pays Sénégal. Quatre candidats opposition là d'ailleurs sec yo considéré comme candidat plus sérieux était en face li annoncé non communiqué aussi ensemble yo rejeté à toute force yo résultat ça et yo et commission annoncé et mais yo pas décidé pour faire appel pour qu'on est là devant conseil constitutionnel là yo accusé Macky Sall
d'après avoir monsieur ignoré volonté et peuple sénégalais. Invité journal 4 après-midi, c'est coordonnateur rassemblement pour avancement coopérative production et quand la vie meilleure production alternative dans question du riz et dans vallée de la Tibonite là Rakpaba et Dieu là est bien-aimé qui abdine façon planteur yo accueilli décision gouvernement prend pour baisser prix du riz importé. La répondre question Beethoven François fils. Rakpaba est une coopérative agricole avec toutes nos alliés, ça veut dire organisation plantaire en dans vallée déjà nous essayons pour nous-mêmes c'est une mauvaise décision. Et nous capables justifier ça hier dans les communes l'Esther c'est gain un marche pacifique qui pas fait directement sous décision privilège président bail importateur non mais il était fait sur quelques paramètres qui important gouvernement a dû jouer pour que ou permettre ou renforcer production d'huile en dans vallée par exemple question de l'eau question engrais je ne veux dire on sac engrais à 22500 gourdes pour me dire ça simplement grand crise de l'eau qui dirait parce que deux semaines là, tout dirait c'est mansité fait, plantation qui était faite, c'est grillé à griller. Ça veut dire, on fait, non, l'idée qu'on s'a côté président lui-même, c'est vrai qu'on a les cas besoin et satisfaire population qui sont là, mangeage. C'est vrai que lui, bah, tout privilège avec un portateur, mais faut que l'État dit concrètement et très rapidement qui ça qu'il a fait pour améliorer le secteur agricole, particulièrement production d'huile en Navaléa, tenir compte de question de l'eau, question de semences, question engrais et la vie. Et il y a un peu de monde qui voit tout, question à gros avantage, il y a quatre importateurs, et pour capable faire pour y abaisser sur marché local là, lorsque il y a pas ouais, et qui s'est capable à travers une décision comme ça. Ce qui se produit, c'est du producteur à poids en d'un pays, c'est un bagage incapable de dire qu'il vient affaiblir, non, qui peut permettre que nous-mêmes comme producteurs, qui déjà dans toute qualité de problème, nous dégainer, nous peut rentrer plus dans tout. Nous disons ça au simplement, bon question de l'eau dans la vallée de la Tibonite, je ne veux dire, bon question en grec à 2500 gourdes. Côté décision l'État prend à faire ça yo, et au contraire où elle agit, elle est censée bailler tout avantage avec quel handicap importateur. C'est vrai que ça permet bien dire pour planter avant dire pas oublier tout. Je dis à nous en 2019, mars 2019, en mars 2018, tout une crise grand gros dans le pays. Ça veut dire que question la manger était une crise, c'est même bagaille ça qu'a profiter je dis. C'est vrai président lui-même lui bailler tête comme préoccupation pour le permettre de dire oui sous marché à l'ibat tout le ça mais qui ça en fait que l'il fait pour secteur agricole là particulièrement fier dire en d'avenir. Alors moi j'ai gagné une manifestation des centaines de paysans t'es fait dans la commune Lester pour capable protester contre bah ça et problème y a vivre là qui j'en ça y est non pour nous dans la vallée. Il y a quatre gros paramètres, c'est question de loi qui je dis pas gain de loi dans le canal là. De l'eau qui sortit dans on dit Péligue, l'eau plus utilisée pour question courant dans la dans capitale là, planter vallée la Tibonite pas jeune. On dit jodi à semence d'huile que planter lui-même au fait à griller à cause de l'eau, question engrais avant peut-être ou engrais l'état de décision l'état de prendre dernier temps, c'est 900 gouttes de jeune, je dis qu'il planter de acheter, je dis à passer avec 2500 gouttes. En plus, il y a une question de main-d'œuvre là tout, main-d'œuvre là très cher. Ça lui dit si, je ne sais pas, par rapport avec tout problème ça, qui permettent ensemble de organisation plantaire Vallée de la Tibonite, hier, sous leadership, un leader en la Vallée, qui passait de présentation, c'est Charles Sifra, t'es obligé d'organiser un match pacifique pour montrer que comment situation très grave actuellement en la Vallée de la Tibonite. Hier, t'es gain PM nan, t'es al font visite dans le ministère agriculture. Les parler dans sens soit gain disponible sur marché à 50 000 tonnes d'engrais. Et parler tout de ça il faut pour le faire pour mettre des subventions qui baillent et puis pour engrais à qu'avant à marché. Bon Dieu. L'offre production d'huile en dans pays à ou bien particulièrement dans la vallée de la Tibonite, et ça a les préparations campagne là pour faire préparation campagne là qui sont pour le jeune la donne. C'est de l'eau à assurer que qui est disponible. C'est semences de qualité à assurer qui est disponible. C'est question engrais. Dans la saison, on dit la pluie a tombé. Ça a eu la saison pluvieuse là. Gain à peu près 20 000 hectares qui sont capables de travailler, qui sont capables de produire, qui sont capables de bailler du riz
avec une dose de 10 sacs à l'hectare, ça fait que pendant la saison, ça a supposé besoin de 200 000 sacs en grès. Or, l'EPM lui-même a annoncé qu'il peut faciliter le ministre agriculture a acheté pour payer 50 000 sacs sous 200 000 la tibonite simplement ta besoin, même si on subventionne, on garde toujours bonne tête nec et pas oublier tout. Question politique, je ne veux dire, l'État dit la baisse subvention en grès, c'est pas pour organisation plantaire, c'est pas producteur vraiment qui bénéficie, c'est des actionnaires politiques qui joignent, c'est des partisans de pouvoir qui joignent, l'on dit, des sénateurs, des députés, etc., qui recevoir. En fait, dans l'idée, mon parouet de bonnet, mon parouet, c'est un résultat qui peut l'approprier lorsque l'État va faire acquisition de 50 000 sacs en grès, pour VIA. Mais, où est dans toutes les déclarations qu'a fait, il a oublié, j'ai faute de fait pour remembrer production locale là. Hein, pour remembrer lui, par exemple, pour garder, ouais, on sait des propagandes qu'a fait. Premier ministre a laissé comprendre que le prix mange a baissé, alors que c'est pas vrai. Donc, on peut, il y a parlé des questions importateurs, il y a, on sait des gros avantages à de gros importateurs, et puis, il a oublié production nationale là. Tu vas parler de ça. Non, il dit, c'est manger, descendre, manger. Je ne veux dire à tout, un pays sérieux, question la manger, il n'y a pas de dépendre de l'autre pays. Lorsque vous voulez acheter, on dit, importer pour vivre dans la population, oubliez, organiser, question secteur ça, question production d'Iran dans le pays, qui résiste au bras le jeune. Question grand goût, on dit descendre prix, pas grand prix descendre, on dit à travers, bon, peut-être qu'il va le descendre, mais qui pas qu'on descend. Et dit pas grand deal, on dit actuellement, majorité, plantation, yo, perdu dans la Tibonie. À cause de l'eau, à cause d'engrais. Comment prier après le faire descendre? Et je ne j'en dis, on dit, un haïtien, il est très jaloux, il est très sensible pour production la caille, il est très jaloux pour dire le pays. Or, on va le dire importer, 10 ou 10, etc., pour te baler. Tandis que, si tu es en prise en charge, ou tu gères une question de loi, ou tu gères une question d'engrais, tout le bagage, ça va pas arriver dans la situation, ça, je ne j'en dis. Quel niveau de production d'huile locale là par rapport à ce marché, je dis? On dit disponibilité à ce moins que 100 tonnes liées. Tandis qu'il y a une population qui a besoin de 450 000 tonnes par année. Des jours en jour, tu descends, là, descends. Automatiquement, l'État n'a pas bail accompagnement pour l'appuyer, planter dans ce sens-là, dans la question de l'eau, dans la question de ces manger d'eau là. Or, 100 000 tonnes, ou t'as pas le journal, la descend. Et tandis que la population a nécessité plus que 450 000 tonnes pour le consommer. C'est repenser. Que pour y a repensé pour ce secteur agricole là, l'ennemi repenser, c'est chita avec acteur yo, c'est garder besoin yo, et l'État lui-même, mais comment y'a capable de jeunes moyens techniques à financer pour y réorganiser, c'est pas sous papier, c'est pas dans bel discours, mais concrètement pour y réorganiser sa révolution d'Iri en Dabéya. Voilà, c'est dirigeant, organisation ça qui est basé dans la vallée de la Tibonite, là, Rakpaba, Dieu l'a bien aimé. Et subvention l'État bail importateur du Rio sans que le paguen aucune politique publique concernant les producteurs dans le pays qui c'est du qui c'est l'autre. Sénateur Yuri La Tortue, sénateur La Tibonite estime décision exécutif l'emprunt pour subventionner produits première nécessité gens que le te dit là particulièrement du Rio après le fini net avec tirer production agricole dans vallée La Tibonite là. Parlementaire a dit il pas contre mesure. Mais le gouvernement te doit prendre disposition pour accompagner agriculteurs. Sénateur La Tortue critiqué chef l'État qui choisit Chita parler avec seulement 4 importateurs du riz dans le pays. Il demande pouvoir prendre disposition pour descendre prix sac engrais qui a vendu bien cher et dit quoi qu'a permettre un paysan au travail puis bien. N'attendez sénateur Yuri La Tortue dans micro Villeneuve Joseph. Sous décision qui prend pour yo baisser prix du riz. Décision ça, intention li bon, parce que je dis à, on croit que faire baisser prix pour population par rapport à la vie chère. Mais n'a dit que décision ça, yo mal prendre et yo créer une mauvaise situation pour planteur la Tibonite. Premièrement, ça nous remarque la décision ça, son décision que le président Chita a 4 importateurs, que le prend que le dit la retirer taxe pour yo. Alors que, premièrement, le président Chita avec tout importateur. Parce que ça qui est important, la Constitution ne dit pas de privilège en matière d'impôts. C'est-à-dire, si il y a baissé
impôts, forcer tout le monde qui est dans le secteur. Deuxièmement, le président n'a pas baissé impôts que pour une loi, il n'a pas note pour le baisser. Donc, le bon bagage qu'a fait, le président connaît que, justement, il faut le faire d'après la loi d'un pays, d'après la loi, la constitution, il n'a pas qu'à faire n'importe qui. Genre. Et ça qui me dit dans la question, ça, c'est que pendant que le président chita avec importateur, un gros problème dans la Tibonite, avec un peu de planteur dans l'Ouest, côté du Rio du Rio, c'est que il n'y a aucun chita qui fait avec planteur, qui fait que jeudi, pendant que vous avez avantage, babé moustache à importateur, il a retiré 10 milliards de gouttes de taxes pour eux. Les paysans de la Tibonite là, qui ont gagné un gréa qui était à 900 gouttes, et bien ils montaient à 2500 gouttes. Et pas gagné, justement, aucune subvention qui fait pour que prix en gré à Kavina 900. Je dis à moi que décision ça, c'est lui qui veut mettre sous du feu. Côté qu'à aucun moment nous pas d'accord. Premièrement, que le président, dans un fait, Tikou nous clinche, il a tant qu'importateur. Il oublie, il était dit que le premier objectif, c'est production nationale. Si t'as un problème, il t'achita avec des importateurs, c'est pour un titan, il t'achita avec eux. Pour que l'Ibao ait un avantage pendant un titan. Mais ça qui est important, eh bien, c'est production nationale. Je veux dire, nous, le président a abandonné production nationale. Depuis qu'il a importé 12 000 tonnes d'huile, je veux dire, il a avantage par le bouchage à importateur. Et dès qu'il y a un avantage qui baille, ça va baisser la production. Ça veut dire que sa présidente a fait, elle a investi 500 millions de gouttes dans la Tibonite pour que ait doublé production, il n'y a pas atteint. Et si reste qu'il était à l'île écrasé, c'est peut-être ça que nous disons. Nous appuyer tout mouvement que paysans et planteurs ont fait. Premièrement, pour baisser le prix agréable. Deuxièmement, pour subventionner ce monsieur, et troisièmement, pour reprendre le travail dans le canal, de façon à ce que pendant que l'avantage à l'importateur, eh bien, pour que la production les cas continuer qu'il y ait dans la Tibonite. Je ne peux pas accepter que le président, qui lui-même, il a fait campagne sous question de l'augmentation, qui lui-même vient investir et qui gaspille encore dans la Tibonite au lieu des planteurs, vient détruire sa critère. Et c'est peut-être ça, nous dit que c'est une décision qu'il faut prendre dans le week-end là, pour que justement, il y ait baissé le prix en gréa à 900 gouttes. Parce que je dis à Tissa que nous étions comme production nationale environ 120 000 tonnes dans la Tibonite, pendant que nous baillons 4 importateurs droits pour nous importer 60 000 tonnes par mois. Voilà, sénateur Yuri Latortue, et concernant les affaires et production du riz dans la vallée de la Tibonite. Et puis, ministre culture et communication, Jean-Michel Lapin a annoncé hier, par les moyens pour le carnaval fête, mais nous connaissons, d'après tout ça qu'il dit, il y a une grosse décision qui prend pour des départements dans le pays à faire carnaval. Et il y a un groupe artistes, et tant que Bookman Experience, plusieurs groupes, Revla, Mascompa, Diakout Kampèche, Kinpansi, Wokfam, Zikos, représentant plusieurs bandes à pied avec divers autres acteurs dans l'industrie musicale, qui rencontrent l'après journée jeudi à, et 48 heures de temps avant lancement carnaval là, t'as supposé être pas fête, d'après décision autorité, il prend, il fait qu'on ait carnaval là, d'où il fait, un reportage Gervens, Ricardo Jean-Jacques. Un comité carnaval qui là, je dis, avec nous en majorité. Mais techniquement, il est trop tard pour les capables des organisations carnaval nationales dans la ville de Naïf. 27 février, 10h30 matin, ministre Kiltia Jean-Michel Lapin, accompagné par le comité carnaval national là, fait déclaration ça. 28 février, 10h40 matin, divers artistes et groupes qui comptent défiler dans le carnaval répondent. Selon Mime Rose Beaubrun, Manzé, artiste vedette Bookman Experience, n'ont pas qu'à sauter dans sa carnaval laïe. C'est un calendrier, y a rendez-vous qu'il tire elle. Artiste yon a défend intérêt religieux et économique yon. En plus, non pas dans politique, selon ça le déclaré. Nous n'avons pas qu'à cramper devant la tradition, ça peut être fait. Est-ce que nous apprenons, pas là qu'on a dit non, c'est en juillet, bon, il était pas là. Non, son calendrier, religieux qui sont que hop! Passer tant sa saison ça pour entrer dans la saison quand même puis purification ou pas qu'à faire ça et puis ensuite question économique là m'a descendu très fort parce que moi même c'est carnaval la matin pour me payer l'école à petit temps si nous voulons nous mêmes tout à tissu là nous d'accord nous disons c'est pas tout pour la poule pas tout pour nous voulons sortir c'est ça nous voulons c'est pour ça nous chita là pays a gagné un pile problème à tissu reconnaître ça mais au fait qu'on est c'est pas you qui l'état carnaval la doit fête. Jean-Renel Bruno, alias Tipay, déclaré yo lancé yo nan Petronaval. Daniel Fizeme, tonton Bichat, sous Bopal,
by autorité yo pinga. Bon madame, regardez, chaque pays en chant, c'est musique classique, c'est musique, c'est carnaval, c'est bail nous a passé. On y a entendu petit bail carnaval. Mais l'élection, c'est nous-mêmes, tout bagarre, c'est nous-mêmes. Ça tape plus qui compte Pito Caribéa, ça tape en la genette, ça veut dire, comme que Pito Caribéa, nous-mêmes, nous Pito Naval. Comme je dis, il y a un procès qui pour faire, qu'après l'époque pour faire, ça me garantit nous l'a fait vrai. Si l'État a assez de comprimé, donc, pas fait carnaval là, et puis la France a privé sous lit. Et bien l'État, l'autre pays qui a dit perdu déjà. Même bras qui campait un gros projet qui dit bloqué ça, pour qu'ils ne soient pas pensés que le cas bloqué des flots, bien sûr, pas besoin de carnaval encore parce qu'il y a un contrôle. Mais si, faites-le du tout. Akenson Belizer, alias Zagalo, producteur musical, avec Théodore Beaubrun, Lolo, était quoi, attitude très sensible par rapport à la situation pays. C'est pour ça qu'il fait qu'on est différents acteurs dans l'industrie musique là, t'es déjà mobilisé pour réalisation carnaval. Qui donc, pas de route, pas bois, même si il y a beaucoup qu'on est. Dans qui ville l'a fait? Au grand problème, rien, nous finissons fait tout ramasser ça, mais nous pouvons côté, nous pouvons faire carnaval. Nous avons cassé rendez-vous avec la presse samedi matin pour le point final. Liste de groupes qui ont participé, comment elle a participé. Moun Mouri, artiste bébé, quel bagage fait artiste bébé? Artiste qui a un rôle par lui. Moun Mouri, c'est la justice, ça mettait artiste. Artiste là pour jouer musique. Rendez-vous par là, c'est carnaval. Il défend carnaval par là. Nous pas politiciens. Nous pas avoir la tête, nous devons même j'en deux, trois, l'autre, toute la journée, nous allons parler. Nous même la presse. Nous allons parler plus que nous allons parler dans le pays. Nous allons strade pour prêcher pour notre entrée dans la tête haïtienne pour nous faire. Nous-mêmes, artistes, nous ne sommes pas politiciens. Nous agissons pour nous. Nous agissons pour nous. Nous allons quitter le monde derrière nous pour venir mettre une derrière et après des affaires par eux. C'est pas ça qu'on fait là. Ministère qu'il tient à comité carnaval là, en exil est techniquement pas possible pour un carnaval national langonaïve. Divers groupes, jazz réunis, pour dire qu'ils ne prennent pas ça dans l'État. Après dénoncer dans la production, yo, qui sa groupe artiste musical fait par rapport à conditions socio-économiques pays a? Si un artiste gagne chance, dans quel hôpital il peut aller? Gaspiller la jeune en fait bel carnaval, pas gagne assez, mais l'hôpital général. Gervens Ricardo, Jean-Jacques, Radio Kiskeya. Et puis une actualité internationale là, c'est échec pour Donald Trump à Kim Jong-un. Après, tu as une belle, qui est content, belle souris. Dans le premier jour, rencontré dans l'hôtel Sofitel, métropole, dans Hanoï. Et bien, je dis à monsieur, séparé rapidement. Et côté président américain a déclaré, gardez-le, faut qu'on connaisse pour lever à rebotable, pour dire qu'il n'est pas possible pour continuer. Et puis, il est à bord Air Force One dans longtemps, qui a pris direction États-Unis. Et Donald Trump fâché, faut que nous disions, rien pas marché pour lui, puisque dans Washington tout, et ancien avocat là continue à mettre pour lui devant commission dans la Chambre des députés. Et le fait que par exemple, qu'un accord, cérémonie signature, déclaration tête ensemble, il doit faire annuler quelques minutes avant finissement sommet. Ça a la guerre, bouleverse dans le temps 2500 journalistes qui sont dans le monde entier pour découvrir l'événement. Je ne connais pas exactement qui ça a passé. Voilà, échec dans la deuxième négociation qui t'a fait direct entre président américain et dirigeant nord-coréen. Kamita Joseph, qui sorti la plaine, fait qu'on est Maril, il y a les Louis Nice Jules, qui était allé dans la manifestation, jour qui était 9 février, pas entre la Kaidi. Madame Joseph, mandé tout le monde qui t'a gagné information, oui, pour Yoridel, pour le jeune mari, puisque la situation est plus grave avec Timounio. N'attendez. Moi, je passe dans la radio à matin. Depuis le 9 février, Marie est sortie. Comment vous l'avez? Il y a Elwinis Gilles, qui est sorti dans la manifestation, il n'est pas rentré. Et puis, toutes les démarches m'ont fait mal dans tout l'hôpital, mal dans toute prison, mal de tout côté, m'a cherché mon bac à jeunir. Pendant ce temps, bac à jeunir, et puis, je me levais, je me dis, bon, je vais dans la radio, pour me faire un message là passer. À quel point nous nous déquittons tout veli bon démarchement fait dans ma chercher nous pas quoi son monde qui existe qui là parce que mieux quoi s'il était là il y a plus de monde pour l'hôpital bas c'est un peu ça l'hôpital moi un peu malade mais formé dans toute prison moi pas jeune non monde ça ni pas jeune gens de monde ça non tout côté me passer et puis une fait message là passer ma trois petits monde c'est lui qui aide moi avec trois petits monde moi dans travail moi dans commerce. Mba fè an yon, c'est lui-même qui tout ti moun yo ti baye glace le vent pour capable soutenir ti moun yo. Mais pour le moment tout est sorti à là pour le moment, mais dit son misère m'a passé à ti moun yo non même. Même l'école yo pa ka aller.
Mboyo l'école peut-être comme l'école yo voyo retourner mi Oshita. Yo pa ka l'école et mba ka aide yo mba gran m'a fait. Basse nan radio pour me faire message la passer. A kepot moun nan tout moun ki attendé ki konn qu'est-ce que veut dire que jan yon moun nan situation nan yon problème avec trois ti moun nan men pour la passer ni elle pa ka joine aider. Li pa gen ide avec toi ti moun yo. Mba gen personne a ti moun yo, c'est moi tout ti moun yo. Passe dans radio pour me faire message la passer. A kepot moun ki t'attendé message ça, ki t'a vle aider me soutenir. Ak toi ti moun sa yo nan même ki te ka aider me soutenir. Numéro téléphone non, c'est 44 29 38 34. Non, c'est 44 20 29 38 34. Kamita Joseph qui dit Maril tal nan manifestation 9 février elle lui Nice Jules li pa jam retourner li kite lak 3 ti moun gen jumen jeune qui sorti cité soleil 4 qui nan même situation ça tout li dit papa petite li Joseph tal nan manifestation jou kite 8 février li pa jam rentrer n'ap tande li kite parler comme ça nan mikoun ça me devait ti nan radio moi gen papa ti moun moi ou sorti depuis vendredi ki te comment le Joseph qui sorti depuis vendredi. Qui est-ce qu'il est allé? Il est allé dans la manifestation devant le palais. Les gens qui étaient ensemble avec lui, qui sont morts, qui sont victimes qui viennent. La manifestation, c'était le soleil. Moi-même, je n'ai pas rentré. Mais ça, je suis passé dans la radio. Je vis avec 7 personnes pour comme. Je ne vais pas répondre. Les gens qui vivent en seul, si je n'entends ça, ils sont des problèmes. Je n'ai pas besoin de moi-même qu'à 7. Et 7 là, je me lève moi-même. Si je ne suis pas passé à un monde, comme je suis fait bien à un monde, tous les 7, je suis venu dans la radio, je suis venu à 7 petits. Je vais mettre ça pour les gens qui attendent. Si je suis venu, je vais mettre en prison, je vais mettre à l'hôpital. Et après, je vais mettre sur le téléphone ça, 47 06 09 79. 47 06 09 79. Voilà, c'est madame Jumaine Jeune. Donc deux mesdames ça yo, Marie était sorti à la manifestation, yo pas entré. Marie Jumaine non, c'est Joseph. Et puis n'a pas fini dans remerciement yo et pour nous remercier à moi laier production qui t'a gagné pour tes produits pièce Cavalier Polka Sito Kavea. Dans le jardin Kiskeya, c'était jour bouleversant, t'es commencé, et 7 février, mais t'es déjà fait une première représentation dans Yanvalou, et restaurant, mais ils ont programmé pour faire tout dans Verrette, avant longtemps. Donc, nous remercions Jacques Adler Jean-Pierre, à toutes les troupes théâtrales liées. Et puis, nous remercions tout professeur Josué Mérilien, à Combit, Organisation Populaire Syndicale, qui t'a fait activité à C3 édition, et qui t'est venu faire activité tout dans local Radio Kiskeya dans jardin Kiskeya et t'es gagné plusieurs artistes qui t'est participé t'es tant coup Keb t'es gagné plusieurs activités plusieurs écrivains et t'est participé tant coup Daniel Suplice et Lionel et Trouyo Jean Aubert un paquet tout paquet nous remercier yo toutes et puis jeudi à nous te recevoir visite et docteur Eugénie et Romain et qui c'est une dirigeante Fédération Protestante d'Haïti qui t'est passé un moment avec nous. Il était venu ensemble avec un dirigeant OPL dans la Tibonite, monsieur Deshommes. Et nous remercier tout le monde ça yo pour solidarité yo pour moment yo passé avec nous pour contribution ban nous pour Radio Kiskeya capable recamper. Et puis n'a dit collaboratrice tout Tara qui a célébré anniversaire jeudi à bonne fête Tara. Nous dit tout le monde bonsoir. Na wè demain. Olapalais.com Olapalais.com Olapalais.com